ainsi, ne pouvant émettre ses regards volontaires chargés d'une signification précise qu'on adresse à quelqu'un qu'on connaît, mais seulement laisser ses pensées distraites s'échapper incessamment devant elle en un flot de lumière bleue qu'elle ne pouvait contenir. Elle ne voulait pas qu'il pût gêner, paraître dédaigner ces petites gens qu'il rencontrait au passage, qu'il atteignait à tout moment. Je revois encore, au-dessus de sa cravate mauve, soyeuse et gonflée, le doux étonnement de ses yeux auxquels elle avait ajouté sans oser le destiner à personne, mais pour que tous puissent en prendre leur part un sourire un peu timide de suzeraine qui a l'air de s'excuser auprès de ses vassaux et de les aimer. Ce sourire tomba sur moi qui ne la quittait pas des yeux. Alors, me rappelant ce regard qu'elle avait lassé pendant la messe, bleu comme un rayon de soleil qui aurait traversé le vitrail de Gilbert le Mauvais, je me dis, mais sans doute elle fait attention à moi. Je crus que je lui plaisais, qu'elle penserait encore à moi quand elle aurait quitté l'église, qu'à cause de moi elle serait peut-être triste le soir à Guermantes, et aussitôt je l'aimais, car s'il peut quelquefois suffire pour que nous aimions une femme qu'elle nous regarde avec mépris, comme j'avais cru qu'avait fait Mademoiselle Swann, et que nous pensions qu'elle ne pourra jamais nous appartenir, quelquefois aussi il peut souffrir qu'elle nous regarde avec bonté, comme faisait Madame de Guermantes, et que nous pensions qu'elle pourra nous appartenir. Ses yeux bleuissaient comme une pervenche impossible à cueillir, et que pourtant elle m'eût dédié. Et le soleil, menacé par un nuage mais dardant encore de toute sa force sur la place et dans la sacristie, donnait une carnation de géranium au tapis rouge qu'on y voyait étendu par terre pour la solennité, sur lesquelles s'avançait en souriant Madame de Guermantes, et ajoutait à leur lainage un velouté rose, un épiderme de lumière, cette sorte de tendresse, de sérieuse douceur dont la pompe. Joie qui caractérise certaines pages de Lohengrin, certaines peintures de Carpaccio, et qui font comprendre que Baudelaire ait pu appliquer au son de la trompette l'épithète de délicieux. Combien depuis ce jour, dans mes promenades du côté de Guermantes, il me parut plus affligeant encore qu'auparavant de n'avoir pas de disposition pour les lettres, et de devoir renoncer à être jamais un écrivain célèbre. Les regrets que j'en éprouvais, tandis que je restais seul à rêver un peu à l'écart, me faisaient tant souffrir que pour ne plus les ressentir, de lui-même par une sorte d'inhibition devant la douleur, mon esprit s'arrêtait entièrement de penser au vers, au roman, à un avenir poétique sur lequel mon manque de talent m'interdisait de compter. Alors, bien en dehors de toutes ces préoccupations littéraires et ne s'y rattachant en rien, tout d'un coup un toit, un reflet de soleil sur une pierre, l'odeur d'un chemin me faisant arrêter par un plaisir particulier qu'il me donnait, et aussi parce qu'il avait l'air de cacher, au-delà de ce que je voyais, quelque chose qui l'invitait à venir prendre et que malgré mes efforts je n'arrivais pas à découvrir. Comme je sentais que cela se trouvait en eux, je restais là, immobile, à regarder, à respirer, à tâcher d'aller avec ma pensée au-delà de l'image ou de l'odeur. Et s'il me fallait rattraper mon grand-père, poursuivre ma route, je cherchais à les retrouver en fermant les yeux. Je m'attachais à me rappeler exactement la ligne du toit, la nuance de la pierre qui sans que je puisse comprendre pourquoi, m'avait semblé pleine, prête à s'ouvrir, à me livrer ce dont elle n'était qu'un couvercle. Certes, ce n'étaient pas des impressions de ce genre qui pouvaient me rendre l'espérance que j'avais perdue de pouvoir être un jour écrivain et poète, car elle était toujours liée à un objet dépourvu de valeur et ne se rapportant à aucune vérité abstraite. Mais du moins, elle me donnait un plaisir irraisonné, l'illusion d'une sorte de fécondité, et par là me distrayait de l'ennui, du sentiment de mon impuissance que j'avais éprouvé chaque fois que j'avais cherché un sujet philosophique pour une grande œuvre littéraire. Mais le devoir de conscience était si ardu que m'imposaient ces impressions de forme, de parfum ou de couleur, de tâcher d'apercevoir ce qui se cachait derrière elle, que je ne tardais pas à me chercher à
moi-même des excuses qui me permissent de me dérober à ses efforts et de m'épargner cette fatigue. Par bonheur, mes parents m'appelaient. Je sentais que je n'avais pas présentement la tranquillité nécessaire pour poursuivre utilement ma recherche et qu'il valait mieux n'y plus penser jusqu'à ce que je fusse rentré. Et ne pas me fatiguer d'avance. Sans résultat. Alors, je ne m'occupais plus que de cette chose inconnue qui s'enveloppait d'une forme ou d'un parfum bien tranquille puisque je la ramenais à la maison, protégée par le vêtement d'image sous lequel je la retrouverais vivante. Où on m'avait laissé aller à la pêche, je rapportais dans mon panier couvert par une couche d'herbe qui préservait leur fraîcheur. Une fois à la maison, je songeais à autre chose et ainsi s'entassait dans mon esprit.